Hey, salut Jack. Salut. Ça va? Alors, t'as fait ta cabane dans les arbres là? Bah écoute, 2 heures j'ai essayé, pas moyen là, quoi. Ah. Donc je sais que ça commence mal pour cet épisode 23, ça craint, j'ai pas su la faire. Mais j'ai T'as fait quand un autre même truc fait. à la place, hein. T'as fait plaisir aux abonnés? Ouais, j'ai fait un autre truc qui a été fort demandé, qui d'ailleurs me saoulait parce que je fais punaise, je sais pas comment je vais faire ça. J'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, ouais, j'ai pas envie de le faire, trop compliqué. Finalement, je me suis lancé et au bout de 4 heures de boulot, j'ai su le faire. Donc c'est pas une maison dans les bois, c'est pas une cabane dans les bois, dans les arbres, pardon. Finalement j'ai fait la maison hantée. Ouais. Tu veux rentrer dedans? Ah ouais, excellent. Vas-y, elle est juste là. Putain, génial. Énorme, hein? Je C'est pense une que c'est maison la hantée, meilleure quoi. maison. Ouais, c'est la meilleure maison hantée que j'ai déjà vue, moi. Moi aussi. Il y a même un étage. Il y a un grenier, va voir s'il n'y a pas un joueur dedans. Attends, je vais essayer un truc là. Et moi je comprenais pas, tu vois, ils arrêtaient pas de nous dire ouais, fais une maison hantée, fais une maison hantée, pourquoi pas une maison en P, une maison en V, je sais pas. Une fois j'avais déjà fait une maison en V et une maison en E. Et encore jamais fait une maison hantée. Une maison A. Mais ça c'est chaud, hein. C'est chelou même. Donc voilà, je me suis bien cassé la tête pendant toute la journée. Excellent. Bon allez, ça va, je déconne. Zappez pas. Le sondage avait demandé une maison dans une cabane dans les bois. Oh putain, pourquoi je dis dans les bois? C'est dans les bois forcément, mais dans un arbre. Et la Batmobile, c'était pour toi. On commence par la maison dans l'arbre. Ça, c'était juste a right joke. Allez, c'est parti. La vraie visite, c'est par là. T'as vu, j'ai fait original, hein. J'ai fait une maison dans une cabane dans un arbre. T'as même abattu les arbres et tout. Ouais, je me suis fait chier. Et au marteau, t'as déjà essayé d'abattre un arbre? Bonne chance, hein. Ah non. Alors te casse pas la gueule, sinon faut recommencer, c'est un peu comme dans White World, dans machin. Oups, tu Whiteout. retournes. T'as vu, tout est relié à des troncs d'arbres. Ah ouais. Voilà. Excellent. Alors je vais passer en vue FPS parce que sinon on verra pas l'intérieur. C'est parti. Tout est fonctionnel, sauf les toilettes. Pour l'instant, faut aller faire caca dans les bois. Ah. On arrive directement dans la cuisine, sur ta gauche. C'est lent. Donc tu vois, la porte peut rester ouverte, hein, ça fait rien du tout. C'est cool. Ouais, ça fait une petite marche, c'est pas mal. Alors, première petite originalité de cette maison. Il y a des mécanismes, tu t'en doutes. Ouais. Je vais pas le montrer tout de suite, montrer ça à la fin. Alors ici, on arrive dans le salon. Il y a une petite fenêtre. Yeah. Tu te dis, ouais, il fait trop noir ici. Ouais. Tadam! Oh, génial. Vue sur la forêt et les zombies. Alors ici, on a un canapé-lit. Donc en fait on peut s'asseoir, regarder la télé, si on a un portable, aller sur Facebook et ce genre de conneries. Oups, j'ai oublié un petit trou là. Non, pas ça, Ah. crétin. Voilà, il n'y a plus de trou, personne n'a rien vu. Et on peut dormir, donc on a un petit salon avec une table, tranquille, la cuisine à côté, salle à manger, le lit et le canapé, et puis bien sûr la terrasse. Génial. Et là on peut boire un verre tranquille au soleil, et regarde le petit toit qui est les rebords du toit. La petite cheminée aussi, tranquille. C'est, voilà, c'est une cabane de vacances, quoi. On se sent bien, on est chez soi, quoi. Excellent. Je Ah, pense que c'est franchement, un peu dans l'idée, quoi. ça le fait. Alors rien n'empêche après de faire un étage, évidemment, et de se dire, ouais, tu peux faire une chambre à l'étage, ou une toilette, ou bien une trappe qui s'ouvre, peut-être, je ferai avec une échelle. Mais il n'y a pas d'échelle dans le jeu, c'est ça qui est dommage. Un Ah. escalier, ça prend de la place, hein, comme on est quand même haut, hein. Donc, une petite trappe avec une échelle plus tard quand il y aura des échelles par exemple pour aller en bas ou faire une douche ou quoi. Alors l'autre petite personnalisation que je voulais te montrer, c'est tu vois ici il y a un espèce de meuble si je puis dire en bois. Et en Ouais. fait dedans se trouvent tous les mécanismes de la maison. Ah, c'est génial ça. Comme ça tu peux bricoler, changer la vitesse de ce que tu veux pour tes fenêtres et tout le bazar. Et le refermer. Interesting. This is my house inside a tree, a forest. Magnifique. Et puis voilà, quand t'as fini, tu te dis bon, allez, les vacances sont finies, je retourne à la vie civilisée, n'est-ce pas? Tu fermes la porte, tu fais la vaisselle. Ok, chérie, c'est bon, appelle les enfants, on y va. Oups. Allez, on se Tu casse. fermes les volets. Alors, il n'y a pas encore de blocs transparents dans le jeu, sinon évidemment j'en aurais mis. Pour l'instant, ce sont des blocs bleus qui font office de fenêtres, et de toute façon, ça s'ouvre. Et puis voilà, tu sors. Tu refermes Oh merde, putain, je suis et tombé. rendez-vous l'été prochain! Ouais. Wouh!
C'est dangereux, hein. Ah, je suis super curieux rien qu'à l'idée d'aller voir ta Batmobile là. Ma Batmobile, tu veux dire. Ah merde. Oh, j'avais mal lu dans le sondage. Putain, je suis déçu. C'est pas grave. Allez, viens, on se casse. Ouais. Wouhou. Vas-y, pousse-moi. A plus tard, la maison hantée. Ciao. On dirait vraiment un thé d'ici. On pourrait faire tout à la fois. On va jusqu'où, en fait? Je sais pas. Allez, sur cette map, t'as Batmobile. Bah ouais. Ça sert à rien de courir par là, quoi. Je me pose. Bon, je suis un expert en mécanique. Je viens d'arriver dans la propriété d'un certain Jack Spencer. On m'a demandé de venir voir pour homologuer sa Batmobile pour le prochain Batman. Donc, je sais pas par où je dois aller. Je viens d'arriver ici. On est à Courchevel. Je connais pas bien. D'ailleurs, où est passée la neige? Attendez, je vais l'appeler. Allô? Monsieur Spencer? Oui. Oui, White from White Industry. Je sais pas où je suis. Je suis pas loin de là où vous habitez. Je viens pour la Batmobile. Ah, j'arrive. Vous venez me chercher? J'arrive. Tout de suite, merci. Au revoir. Bonjour, monsieur Spencer. Bonjour. Moins que vous êtes sa femme? Non. Travesti. Ah, pardon. Je ne veux pas vous manquer de respect. Je vois que vous faisiez la vaisselle comme moi, vous avez vos gants. Oui. Bon, j'ai vu où vous étiez garé de juste ici à ma droite. On va aller voir ça de plus près, c'est une Batmobile? Ouais, j'essaye de faire un nouveau concept pour le prochain film. Hein. C'est une Batmobile ou une Jack Spencer Mobile? On va dire une Jack Mobile. Ok, je vous suis, allez-y, montrez-moi ça. Ah. Alors donc... J'explique. Oui. Elle est fort ressemblante à la Batmobile dedans Knight machin bazar là, hein? Oui. Le film avec Portal Knight. Ah non. Voilà. Exactement. Donc les roues qui tournent. Ouais, ça en général c'est bon signe. OK. Voilà. J'ai pas sans vue photographe parce que voilà. Après ma société va devoir analyser ces images, hein. Donc le toit n'est pas ouvrable, malheureusement. Ah. Ça, je mets dans la colonne négative. Et pourquoi? Vous pouvez aller voir les. Parce que j'en avais pas besoin. Je trouve que la Batmobile fermée, c'est bien. Ok. Vous pouvez voir à l'arrière. Oui, donc un moteur. Ah oui. Ok. C'est fonctionnel tout ça? C'est fonctionnel. Et donc vous, c'est pour un film. Oula. Où Batman pourrait se trimballer par exemple avec Robin. C'est ça. Écoutez, je vais monter à bord, on va faire un tour. Hein. Que je vois un petit peu parce que bon, souvent des fans font des maquettes de ce genre de véhicule, mais ils ne sont pas fonctionnels. Donc celui-ci est fonctionnel, c'est intéressant. C'est parti. Oh putain. C'est le bug de ouf malade. Ouf. Ah ouais, quand même. Ouh. Oh putain. Et à quoi servent les réacteurs, dis donc? À s'envoler généralement, mais la voiture est un peu trop lourde là. Je vais devoir la faire en papier. Ah, mais le toit vient de s'ouvrir. Ah, mais le toit vient de se refermer. Ouais. Énorme. Bugger ce truc là, c'est quoi cette fumée? Ah, ouais, ok. Oh là 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 là. Pas évident à faire hein, ce genre de véhicule. Ah non, pas du tout. Surtout que je l'ai fait en une demi-heure. Ah! Ouais, c'est une passion en plus de votre travail. C'est ça. Bah écoutez, White Industry va valider. Enfin, va essayer de valider ça. Il y aura peut-être quelques petites recommandations à faire pour que ça devienne vraiment potentiellement le prochain véhicule du prochain Batman, du prochain film de la prochaine génération. Voilà. Ok. De toute façon, quand on voit l'acteur qu'ils ont engagé pour faire le méchant dans Star Wars 7, on se dit qu'on peut avoir une Batmobile comme ça dans le prochain Batman. Exactement. Ça passe crème. Elle a des oreilles bien moins moches et... elle a moins une tronche de gay. Adam Driver, si tu nous regardes. Enfin, bref. Pas mal, tout ça. Ouais. Alors, j'ai une autre surprise, parce que je sais que vous allez être déçus. Attends.
Là, je suis encore dans la peau du mec qui vient voir ta Batmobile. Attends deux secondes que je me transforme. Ok. C'est bon, je suis nouveau White. Ouais, Jack, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ta Batmobile. Oh, excellent. Ouais, alors, t'as une autre surprise pour nous parce que là, ça fait quand même que 10 minutes, là, cet épisode 23. Ouais, mais je me disais, la Batmobile n'est pas terrible. Donc, je me suis dit, on va faire quelque chose d'autre. Hein, histoire de. La forme est sympa, en tout cas. Ouais. Moi, je me suis bien fait chier à mettre les connexions et tout le bazar pour faire des plaques penchées, tu vois. Ouais, sympa, sympa. Donc, la surprise, elle se trouve... elle se trouve... Sur Mars. Elle se trouve... merde, putain, je l'ai perdu. C'est la chenille ? Non. Non, parce que ça me rappelle la chenille. À la Rue de Hamster. Ah ouais. Viens, t'as fait un bonus en fait. Ouais, un bonus. Donc il y avait deux votes les vainqueurs dans le sondage. D'ailleurs, ne manquez pas le prochain sondage pour l'épisode 24 à venir. Oui. Puisqu'on a décidé, Jack et moi, de continuer à faire ça en vidéo séparée pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on trouve ça cool de. Attends, je montre. On va utiliser la carte mobile. Donc on trouve ça cool de faire une vidéo séparée. Et puis aussi, on va pas vous cacher que ça nous fait quand même des vues. Bien sûr. Et si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, rien ne vous empêche de juste cliquer dessus et d'aller directement dans la description pour voter. Comme ça, tout le monde est content, j'ai envie de dire. Et puis voilà, petite présentation d'un sondage. Quand on le met en ligne, au moins, on sait que vous êtes avertis et que vous pouvez vous ruer sur le sondage. Comme ça s'est passé avec le précédent, on trouvait ça plutôt sympa, c'est assez crème. Hein. Tu vois, je profite du trajet pour un peu parler de ça, quoi. Vous avez aussi vu que la bannière sur la chaîne a changé pour annoncer le live du 12 mars à 20h30, un samedi. Oui. Donc n'hésitez pas à follow, donc suivre, vous abonner sur la chaîne Twitch. Vous pouvez pas le louper, il suffit de suivre le logo et la flèche. La grosse flèche orange. Parce que pour ce live, il faudra être abonné à la chaîne BBTV sur YouTube et à la chaîne Twitch de BBTV. Bon, j'ai paumé la souris. Enfin, la souris. La roue. La roue d'hamster. C'est tout ce qu'on avait à dire, parce que je vais mettre pause, mais... Je pense que c'est tout, hein. T'as annoncé le Twitch. Moi, je rappelle qu'il faudrait que les gens follow sur Twitch. Il y a beaucoup de nouveaux arrivés ces dernières semaines, des milliers. On les compte par milliers. Ouais. Donc, ceux qui ne le savaient pas encore, parce qu'ils n'étaient pas là avant le live de février, regardez bien sur la bannière de YouTube, c'est affiché en grand, vous n'avez pas loupé les informations. Soyez nombreux. Soyez nombreux, parce que plus vous serez nombreux, plus ce sera cool. Et surtout, si vous êtes abonné à Twitch et à YouTube, vous pourrez participer pour les éventuels cadeaux qu'on aura à vous offrir. Ah oui. Ça le plus important. Enfin, le plus important non, mais ce serait le plus triste de louper ça si vous n'êtes pas abonné. Partagez bien sûr les vidéos à fond, parce que plus elles ont du succès, plus ça nous motive à continuer et à en faire d'autres. Et puis voilà, pour ce qui est du système de vote, on va encore essayer pour l'épisode 24 au moins une deuxième fois comme on a fait. Puis on verra si vraiment ça râle trop. On arrêtera. Tu l'as trouvé ? Ouais. Excellent, je vais même pas devoir mettre au micro. On va directement aller jusqu'à la souris volante. Allez, on décolle. Ah oui, tiens, on peut parler aussi de ce qu'on va peut-être faire. Pour un éventuel prochain jeu. On va peut-être essayer de faire un épisode sur un autre jeu. Et là, pareil, on aimerait bien utiliser ce système de sondage qu'on trouve assez cool pour vous demander si vous voulez encore des épisodes de ce jeu-là. Je marche en arrière pour pas qu'on voit ça fasse surprise. Donc ça, ce sera un truc qu'on utilisera aussi. On vous demandera de voter oui ou non si vous voulez encore des vidéos de tel ou tel jeu. Et ça va peut-être arriver prochainement aussi, ça, pour un jeu qu'on vient d'acheter. Attention, la roue des hamsters. Ouh, elle est jolie. Et elle tourne. Eh putain, elle est pas mal. Ouais. Mais il faut d'abord... je veux la voir tourner sans être dedans, voilà, je le dis. Ouais, il faut d'abord tourner. Quand elle tournera, attention, ça va faire du bruit. Hein. Ok. T'es pas un peu cinglé, hein? Le hamster, il est censé se faire les muscles, tu vois? Les mollets. Quand il court là-dedans, il est pas censé se transformer en milkshake. Et pourquoi il y a une truc, là? Tu voulais faire des frères Bogdanov au cirque ou quoi? Ouais. Qui courent au-dessus de la roue, là, comme les Ruskov? La rue de la mort. Il y a la rue de la mort. Oh putain! J'arrive, ouh! Tu m'as même pas laissé le temps de monter dessus. Non. Essaye de monter dans la roue pendant que ça tourne. Attends, je vais d'abord marcher dessus.
Ça va pas. J'ai essayé, je voulais essayer un truc dans le style, mais ça va pas. Merde, je suis coincé. Ah. Ouf. Attends, je vais faire tourner le truc, ne monte pas encore. Aïe aïe aïe, je le sens pas cette histoire. Vas-y. Putain. Le problème c'est que cet handicapé il sait pas courir, sprinter et sauter en même temps. Donc j'ai pas le temps de... Putain, ça t'éjecte. Non, ça c'est bien beau. Moi j'ai été essayer de sauter dans la roue pendant qu'elle tourne. Maintenant toi tu vas rentrer dans la roue, courir comme un hamster. Et je vais te montrer ce que tu réserves comme sort à ces pauvres bestioles avec ton engin de la mort là. Espèce de taré. Vas-y. Fais-moi courir là. Allume. Non, non, vas-y, cours dedans. Vas-y, tu fais ton petit exercice du matin, tu viens de boire à ta paille, de manger 3 graines, t'es content. Tout se passe bien, c'est une journée idéale. Wouhou ! Excellent ! Voilà, ça c'est la roue. Hamster ? Hamster ? Ah, t'es là. Hé, regarde. Quand moi j'étais dedans, j'étais le hamster. Ouais. Et toi, t'es une Amsterdam. C'était bien nul. Allez, une fin en fait, je voulais essayer 12 ans, de faire un truc parce que normalement, ça devrait enchaîner un gag. Je m'écarte parce que sinon... T'entends pas. Plus, hein. Attends, ils voulaient faire une catapulte, les gens, aussi. Oh putain, t'as falsé, là. Mais c'était quoi ton gag? Ah ouais. C'est quoi, ça? Qui c'est qui m'appelle à cette heure-ci, les mecs? Bon voilà Jake. C'était Nico qui m'appelait. Ouais donc t'expliquais que tu avais prévu un truc mais ça fonctionne pas pour le truc vise pas. Qu'est-ce que tu fais là, je peux rentrer? Ouais vas-y. Ah. Pardon. Prévenez-moi quand vous avez fini. J'attends. Là j'ai l'impression d'être au boulot, à l'école. Je t'attends dehors. Ah. Voilà. C'est fini. Bon, moi j'ai une autre idée. Parce que bon, là on est à 17 minutes, c'est beau ça. Ouais. Mais ce truc là on peut l'utiliser. Laisse voir. Oh putain. Putain, bouge pas. Les gens voulaient une catapulte. Ah ouais, pas con. Voilà. Et hop. Ah merde, ils collent tous ensemble, c'est con. Ah ouais. Fuck, je voulais en mettre plein. Attends. Donc là, il y en a un. Impeccable. Chiette, il est tombé. Pas grave. Voilà. Voilà. Attends, je vais en mettre un gros. Balancer le bazar, hein. Voilà. Ok. Ça fout là, ça. T'es prêt? Vas-y, balance. Attends, non, vue FPS. Je me mets plus loin. Vas-y, balance. Bon, y'a peut-être un fait là qui va arriver. Oh putain! Eh, y'en a qui ont été éjectés, fieux! Vas-y, arrête la sortie froigeuse, là on n'entend plus rien. La sortie froigeuse. Dis donc, ils avaient dit aussi qu'ils avaient réglé le système de frappe là. Mais c'est de la connerie. Hein. C'est là que toujours autant. Hein. Ouais. Pff, ouais. Regarde ça. Ouais, c'est nul. Regarde. Oh, putain. Pff, n'importe nawak. Encore pire qu'avant. Donc t'as voilà. On dirait un curling, feu le machin. Ouais, tu sais quoi? Moi je dis. Pour fêter notre rencontre avec Matt Zeppel et notre future visite sur son TS, puisqu'on a déjà été 3 fois mais il n'y avait personne. Matt, si tu nous regardes, n'est-ce pas? Eh ben, vu que toi t'as fait le bonus en faisant la roue de Hamster, on va faire un bowling pour Matt. Excellent. Pour terminer cet épisode 23. Putain, on aura fait 4 trucs sur 6 dans le truc, ça vaut la peine qu'on fasse un sondage. C'est juste parce que c'est la première fois. La prochaine fois. Tellement de trucs, après on n'aura plus rien à montrer, ce sera la fin de la série. Quoi. Ouais, désolé, hein. Mais tu rigoles quoi, t'as vu le nombre de bazar qu'on a encore, j'ai encore des listes de 300 km devant moi. Ah. Ouais, ça peut être tout, hein. Ça peut être des. On peut rajouter dans le sondage une attraction spécifique pour White World, ça peut être plein de trucs comme ça, hein. Ça peut être un véhicule, ça peut être une maison en W, ça peut être plein de choses. Bref.
Un mini. Mais, et attends. S'ils avaient voté pour le bowling, on aurait fait la piste et tout le bazar, avec le mécanisme qui donne les boules, tout le truc, tu vois. On aurait essayé de faire un truc parfait. Ici, c'est juste pour le fun, voir si ça fonctionne. Après, rien n'empêche... Quoi ? J'ai rien vu. Rien n'empêche qu'on fasse une vraie piste de bowling plus tard, dans un autre sondage, quoi. Ah, si ça marche. Mais déjà, je veux tester, voir s'il y a moyen. Pause. Oui, il y a moyen. Bon, on a fait une piste à l'arrache. Oula, regarde cette piste de bowling. Alors, l'histoire des quilles, c'est ça. Et bon, bien sûr, l'astuce pour qu'elle soit bougeable, c'est après de virer celle du dessous. Ça y est, j'ai un 4 dans la gorge. Donc voilà. Là, nous avons 9 quilles. Opérationnel. Ouf, punaise, c'est vrai que c'est large, 2 blocs de... d'espace. Donc ça, c'est le distribu... Ah, excellent. À qui le tour? Alors, ensuite, on va placer dans la lignée... Ça, bon, la boule de bowling, ce sera un pneu. Un pneu de bagnole, ouais. Ouais, je vais passer en vue externe. Enfin non, c'est trop moche. Bon, j'en joue une piste à toi. Hein. Vas-y. Ah. Quelque chose me dit que ça sent pas bon, cette histoire. Attends, on va refaire un autre test. Bouge pas. Je t'en place une mieux pour toi, d'accord? Ouais. Parce que je suis gentil. Vas-y, fais-toi plaît. Ah. Putain. Parce que t'as tiré la chasse. C'est pas la moitié d'un couillon celui-là. Bon, je sais que c'est contraire avec du bowling, mais retape. Genre le mec il a lancé ça. Ah. J'en ai eu un. Ouais bah punaise, je te dis pas comment ça lag, hein. Tu verras sur la vidéo. Ah. Pas au point du tout la synchro dans leur jeu. Bon, en même temps, c'est pas des serveurs dédiés. Attends, c'est trop facile ce jeu, regarde. Easy, mon vieux. Par contre, j'avoue que pour faire un strike, bonne merde. Ouais, c'est un peu lourd, hein, ce truc. Oh putain, chien. Bon, vous voyez, hein, le système... Oh là là, qu'est-ce que ça lag. Bah, j'étais enlevé dans la tronche, là. Ouais, celui-là, regardez, Jack l'avait tapé. Et moi, je le vois encore là, mais il n'existe plus. Donc, vous voyez, c'est loin d'être au point. Donc, quand on nous demande, faites un bowling, un mini-golf... Le bowling, ça me paraissait encore fun parce que je pensais que ça laguerait moins, mais là quand même... vous voyez, c'est pas... en multi en tout cas, je sais pas en solo, j'ai pas envie d'essayer, mais... à nous deux en multi, quand on est comme ça, vous avez vu, c'est pas cohérent pour un bal. Est-ce que t'en vois un ici, toi? Est-ce que tu vois une quille debout, là? Non, il y en a plus sur le... Ah bah, moi j'en ai une et elle est transparente, je ne peux plus passer que à l'intérieur. Donc voilà, c'est l'heure de rendre l'antenne, c'était un petit épisode, traite ma foi. 23. Quand c'est un 2 devant, c'est 23. Bien sympathique. Je vais faire le saut du lange. Ok. T'es prêt? Ah ouais, moi je suis prêt, c'est plutôt toi qu'il faut demander ça. On termine sur le saut du lange de Bitman dans sa Bitmobile. Magnifique! Et alors là, vous avez vu stupeur dans les studios. Magie, il vient de renverser la quille invisible! Je te jure, tu viens de passer dessus, tu viens de renverser la quille qui était buggée, que je voyais là et qui était plus là. Ah. Ce jeu est magical. Bon, on se dit bisous bisous et à bientôt pour le 24. Ouais, ciao ciao. Salut.